Madame. Madame, désolé de vous déranger. Le fait est que... il y a un truc derrière. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, madame, vous avez quelque chose de gros et de laid, de désagréable, je dirais. Bien sûr que j'ai quelque chose de gros, mais c'est quelque chose que vous devrez vous contenter de voir. C'est pour ça que vous dites que c'est laid. Parce qu'un homme comme vous ne pourra jamais avoir une femme aussi belle et élégante que moi. Tu sais ce que tu es, un homme affamé. Hé, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Rien, mon amour. Non, tout va bien. Eh bien, dis-lui. Dis-lui ce que tu viens de me dire. N'aie pas peur de le lui dire. Explique-moi tout de suite ce qui se passe. Non, mon amour. Il se passe rien. Vraiment, ne t'inquiète pas. Et... continuez votre chemin, madame. Je ne veux pas de problème. Oui. Je ferai mieux d'y aller. Parce que je ne vais pas continuer à perdre mon temps avec des gens insignifiants comme vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon amour, regarde. Regarde comment elle est. Oh non, mais la pauvre! Elle ne peut pas continuer comme ça, mon amour. Il faut lui dire. Mon amour, la discussion a commencé à cause de ça. J'ai essayé de lui dire qu'elle était... comme ça. Mais elle ne voulait pas m'écouter. En fin de compte, c'est son problème. Elle s'occupe de ses affaires. Et nous, on s'occupe des nôtres. On ferait mieux d'y aller. Hé, toi, belle femme! Qu'est-ce que tu regardes? C'est la première fois que tu vois une femme aussi belle que moi? Espèce d'abruti! Mon Dieu! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi vous ne regardez pas où vous allez? Quelle précieuse! Merci, beau gosse. Mais qu'est-ce que tu fais? Espèce de mal élevé. Madame, mais est-ce que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière vous? Mais c'est tellement énorme! Mais bien sûr, c'est évident que j'en ai un gros. C'est pour ça que les gens me regardent. Pour mon corps. Pour ma beauté. Parce que dans ce monde, il ne peut pas y avoir deux femmes aussi belles que moi. Alors que toi, tu es vilain. Petit loser. Dégage. Ce grossier personnage qui me prend pour un pervers. Chut, espérons qu'elle aura super honte. Allez, ma princesse. Oh, mon amour. Attends, je suis juste un peu nerveuse à l'idée de rencontrer ta mère. Calme-toi, mon amour. Elle a un visage fermé. Mais elle est très adorable. Tu verras. Je sais que vous allez très bien vous entendre. Je l'espère bien. Oh, maman! Bonjour, mon amour, mon cher prince, mon roi. Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Maman, ce qui se passe, c'est que je suis allé chercher ma copine. Je vais te la présenter.
Je suis enchantée, belle maman. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais laissez-moi vous dire que vous êtes une femme très belle et élégante. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Mon fils m'a beaucoup parlé de vous, mais entrez, je vous en prie, faites comme chez vous. Merci beaucoup, mais je vous en prie, vous d'abord. Viens, mon amour. J'ai fait du café. Merci, maman. Merci, belle maman. Ah, c'est très délicieux, maman. Ça m'a beaucoup manqué. Tu sais que j'aime bien te gâter, mon roi. Ah oui, c'est délicieux, belle maman. Mais vous savez quoi? Je vais aller aux toilettes et je reviens pour qu'on puisse continuer à parler. Mais pourquoi vous me criez dessus, belle-maman? Mademoiselle, vous n'avez pas remarqué que vous êtes tachée? Pourquoi vous sortez comme ça? Regardez, vous avez taché mon canapé, un canapé très cher. Mon amour. Oh, belle-maman, s'il vous plaît, je m'excuse. Je ne savais pas que j'étais dans cet état. Mais calmez-vous, belle-maman. Ne soyez pas aussi hystérique. Pourquoi ne pas avoir un peu plus d'empathie? C'est naturel. Vous savez bien que ça peut arriver à n'importe quelle femme dans le monde. Oui, moi aussi, je suis une femme. Mais il faut être plus prudente. Désolée pour ça, maman. Fais-la tout de suite sortir de chez moi. Comment peux-tu envisager de vivre avec une femme comme ça, si peu soignée? Désolée, maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne sens rien! Ne me crie pas dessus! Non, je n'avais pas réalisé que j'étais dans cet état. Maintenant, je comprends pourquoi les gens m'ont dit tant de choses aujourd'hui. J'ai été une telle idiote, stupide! C'est moi la mal intentionnée. Mon amour, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. J'ai besoin de me changer, s'il te plaît. Mais nous n'irons nulle part! Regarde ce que tu as laissé sur le meuble. Ce meuble est très beau. Et la voiture? Je viens de la faire laver. Je suis sûr que tu l'as probablement tachée aussi. Mais c'est dégueulasse. Pardon? Tu n'es qu'un abruti. Comment peux-tu oser me dire une chose pareille? Je ne veux plus perdre mon temps avec un homme comme toi. Je ne veux plus jamais te voir. Et toi? Comment oses-tu frapper mon fils? En plus d'être sale, tu es effronté. Quitte tout de suite ma maison. Allez, va-t'en! T'as pas entendu? Mon amour, c'est pas la dame de tout à l'heure? Oui, c'est elle. Et madame, je suis désolé de vous déranger, mais comme je l'ai déjà dit, vous avez... Ne vous dérangez pas, messieurs, dames. Vous n'avez pas besoin de me le dire. J'ai enfin compris ce qui m'arrivait. Mais pourquoi pleurez-vous? Eh bien... Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que mon ex-belle-mère et mon ex-partenaire m'ont dit. À cause de l'état dans lequel je suis. Pourtant, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui arrive à toutes les femmes, et ce, chaque mois. Seulement aujourd'hui, j'ai eu un accident et je ne m'en suis pas rendu compte. Mais à cause de mon arrogance et de ma vanité, j'ai cru que tout le monde me regardait à cause de ma beauté, pour mon corps. Mais non, en fait, j'ai eu un accident. Et je n'ai laissé personne me le dire. Excusez-moi, madame, pour ce que je vais vous dire. Mais tout ça vous est arrivé parce que vous êtes prétentieuse. Oui, mademoiselle.
Vous avez tout à fait raison. Le pire, c'est que j'avais déjà compris qu'il ne fallait pas agir ainsi et être à but de sa personne. Écoutez, madame, ne vous inquiétez pas. Au moins, c'est fini. Quant aux erreurs, non, nous sommes tous humains. Et vous savez, nous faisons tous des erreurs. Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui arrive à toutes les femmes. Et en fait, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie pour cette situation. Il en faut. Merci beaucoup, jeune homme. Vous êtes vraiment très aimable. Ne vous inquiétez pas. Mais j'espère que cette situation vous a donné une grande leçon et qu'elle ne se reproduira pas. De même, je vous souhaite bonne chance. Allons-y. Ne soyez pas arrogant, vaniteux, et ne vous croyez pas supérieur aux autres. Personne ne sait quand il peut avoir besoin d'aide. Apprenez à être humble et noble, afin de pouvoir aller plus loin.